Et qu'est-ce qu'il a fait pour se retuer? Je sais pas. Quelques temps, il y a même pas une. Il y a combien de temps? Il y a 4-5 jours, on l'a retrouvé cramé déjà en plus. Ah oui, je sais, c'est pas ça. 02, c'est pas là que vous devez vous placer. Hein. Tard le soir. Vous prenez votre place avant. Vous vous placez derrière la dame. Ils ont déposé son corps. Voilà, j'ai fait des analyses, c'est bien notre gamme. D'accord. Vous avez fait un certificat de décès, non? Oui, oui. D'accord. J'ai annoncé, j'ai mis un annonce. Parfait. Comme quoi il était mort. Il va nous manquer. De son internement. C'est ça. Et qui pouvait lui en vouloir à ce point-là? Je sais pas, c'est compliqué. Hein. Je sais pas. J'ai entendu dire qu'hier il était cherché par quelqu'un, je sais pas ce que j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé hier. Donc là, j'avoue, je me demande comment. C'est vrai que. C'est compliqué. Mais j'avoue que je suis assez fini. Même moi, j'étais débité depuis hier. Donc voilà. D'accord. Bon, ben, on va commencer le cortège. On allait passer devant le gouvernement. Là, d'accord. Il y a Aaron qui a sa voiture, monsieur Hobbs, derrière. Oui, je vais aller avec Aaron. Ouais, moi aussi, je vais monter avec lui, je vais ranger la mienne. On est déjà là, en fait, donc il n'y a pas besoin. C'est bon? Oui, c'est bon. Bon, ben, on y va. Allez, quand on va. Vous vous placez derrière la dame 11. Hein. C'est incroyable.
C'est là-dedans qu'elle est la bière du coup, non? Vous allez me faire un 10 ans au courant? C'est là-dedans qu'elle est la bière de monsieur Gump. La bière? Oui, on appelle ça aussi une bière, vous savez pas, un cercueil, on appelle ça une bière aussi. Ah bon? Ah non, ouais. Je savais pas. Ah, ouais, bah, moi je préfère utiliser le mot bière, mais ouais, c'est particulier, mais c'est suffisant. Oui, il est dedans. Oui. Il avait jamais fait de conneries ni rien. Il va rejoindre Marc. Ah bon, quand t'as retrouvé tes lunettes? Ah bah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, sauvé. Voilà. Oui, au moins je me prendrai pas de murs, des poteaux, etc. D'accord. Ouais, ouais, en fait, c'est ta lunette, t'es aveugle quoi. Je suis pas vraiment aveugle, je suis en mes lunettes. De distance. Ouais, mais vous prenez un peu plus de distance, s'il vous j'ai envie de conduire un hélico. Ah, oui. Allez, c'est reparti. Allez. Bah attendez, on attend M. Baker, non? Il arrive quand? Bah je sais pas, il m'a envoyé un mail, il m'a dit j'arrive là. Enfin, il y a... Ah. Ça va, je viens de le rechercher, je viens de le rechercher. Le parking ou pas? Bon bah on va attendre. On peut tous remonter dans les véhicules, on va repartir. Avec la moto, s'il vous plaît. Oui. Oui, monsieur. C'est ça. Je ne fais pas dodo, il y a un problème. Putain. Ah ouais, c'est vrai. Bonjour tout le monde. Pourquoi vous vous foutez dedans? Bonjour, bonjour. Je sais pas, vous êtes dedans, monsieur. Bonjour, bonjour. Dites-moi quand il va. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour, bonjour, bonjour. Monsieur. Aucune politesse ici, hein. Ah, c'est pas bien. Allez, c'est pas grave. Oh, c'est bon, bonsoir, monsieur. Ah, là c'est plus sympathique, là. Ah, voilà, là j'ai un tel bonjour, c'est... Monsieur. Ça me donne le sourire. Oui, oui, dites-moi. Putain, allez, bonne soirée. Bonne soirée. Salut, toi. On est tous à l'enterrement 85. Monsieur l'agent? Monsieur l'agent? Bon, on va aller comme ça. Parfait. Monsieur, je vous vas-y, on y va, Ben. Ah. Ouais, il y a quelqu'un. On va regarder si c'est de la vie. Ok. Ah, d'accord.
dites le gouvernement, monsieur Baker, ils ont retiré leur masque. Ils sont à l'enterrement. Non, pas encore. Non. Je te dirais, mais là. Ah ouais, il y a des problèmes de cerveau. Ils retirent leur masque. Dites-le de faire retirer leur masque pendant l'enterrement à ceux qui vont arriver. Et un masque. Oui, le monsieur en jaune, ça, vous leur faites retirer leur masque. C'est strictement interdit. On y va, monsieur Jules. On y va. Salut, tonton. Salut, tonton. Bisous. C'est pas une course, c'est ça un enterrement. Après la voiture, monsieur. Je ne crois pas, je trottine. Vous savez, il n'y a pas des bonbons à gagner si on arrive en premier. Hein. Je sais. Ah mince. C'est juste que c'est triste. Si jamais t'es coincé, Ben, il y a un cric dans le coffre. Un cric ? Ah ouais, un cric pour soulever. Si jamais t'es coincé, mais là, ça devrait aller. Non, je suis pas coincé. Pourquoi tu es coincé ? Non, un cric. Enfin, un cric pour la roue. Oui. Elle est belle, ça tombe quand même. Bien choisi. Ouais, t'as raison. Paix à son âme. Attends, je vais vous demander bien Léonard et une personne pour porter le cercueil. Je peux t'aider, s'il te plaît. Pardon. Il faudrait deux autres personnes. Allez, je viens t'aider, ouais, mais je viens t'aider. Allez, go. Pardon. Non. Ah, c'est bien. Allez, on le porte, on pose. Vous savez la magie quoi avant de venir là? Donc vous retirez votre masque s'il vous plaît, sinon j'appellerai des agents. Vous appelez des agents, ok, c'est une menace, attendez plus de secondes. Mais non, mais c'est... Vous avez pas le droit. Donc... Un peu de respect, s'il vous plaît, il est mort. Putain, c'est pas possible ça, putain. Tu les agents, soyez un peu utiles, s'il vous plaît. Putain. Ce qui veut dire un petit mot. Au revoir. C'était mon rôle sorti tout loin des citrouilles. Je t'aimais bien. Avec ton scotch. Je t'aimais bien quand même. Est-ce qu'un agent. Ta gueule, je t'ai risqué un peu. Si je me moquais de toi, je t'aimais bien. Putain, je peux te dire un truc. Ta rubalise. Repose en paix. Adieu. Amen, move. Là. Tiens une fleur. Hop. Dans tout ce malheur, tu rejoindras au moins Marcus Goldman. Oh, c'est sympa ça. Il va rejoindre Tupac. Vous me permettez, monsieur, que je dise quelque chose? Allez-y. Voilà, là je vais parler au nom de la du PDM. Moi, je vous connaissais pas personnellement, monsieur, mais au nom du PDM, nous vous présentons toutes nos condoléances. Bégayez pas, surtout. Hein. Non, mais c'est les émotions. Il arrive plus à trouver mes mots. Moi, je le connaissais pas, mais je le présente au nom du PDM. Mais voilà. Mais les agents, ils voudraient. Dire repose en paix et voilà la fleur du PDM. Voilà.
ceux qui veulent déposer un bouquet, un peu. Voilà. Toi, reste bien. Tu vas nous manquer. Tu vas nous manquer, ouais. Adieu. Tiens. On pose en paix. Adieu, adieu. Oula. Il n'y a plus personne qui veut dire un mot pour nous servir. Pas possible. Au tout début de sa carrière, je m'en rappellerai tout le temps. Un peu quand t'aurais sur les bords, mais gentil. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il va nous manquer. Ouais. Ah, si tu nous entends depuis là-haut, repose en paix. C'est ça, repose en paix. Au moins, il pourra faire une interview avec Dieu. Il va surtout pouvoir se faire défoncer encore par monsieur Goldman là-haut. Voilà, c'est ça, le problème. Ça, je sais pas s'il sera autant heureux là-haut. Je les entends de là, en train de gueuler là. En train de me gueuler dessus là. Gris, si tu continues, je vais te péter la mâchoire quand ça t'ouvrira plus ta gueule. Tu mets une tarte dans la tête. Voilà, c'était que des réponses comme ça. Ça va nous manquer. Ça va nous manquer le fait qu'il vienne pisser dans les flaques des autres pensant que c'est du parfum. C'est nos enfants, cette unité unie. Comment dire que ça va te faire plus longtemps. Allez, monsieur Léonard, relève-toi. Allez, monsieur. On y va. C'est Léopard, relevez-vous. Léopard. Allez, on y va. On y va, quand ça va. Réveille-toi. Il est mort. Il répond pas. Ben, vite. Double enterrement. Ben, il a fait un malaise. Ah bon?